Comment gagner en régularité en sport? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance, entreprise qui accompagne des sportifs, des entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et également, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites des fois des bons matchs, des matchs extraordinaires, vous dites « Wow, c'est bon, j'étais trop fort !» Et après, quelques matchs plus tard, eh bien, vous faites un match catastrophique et vous passez totalement à côté. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour gagner en régularité. Donc, par exemple, avec un sportif que j'ai accompagné qui avait ce problème, eh bien, il était irrégulier, il y avait les gens autour de lui, ils disaient « Mais c'est incroyable, t'es irrégulier !» Et donc, on est allé voir ensemble qu'est-ce qui se passait dans ses perceptions, puisque nos perceptions entraînent nos décisions et entraîne nos actions. Donc, quand il faisait un match qui était vraiment excellent, il se percevait vraiment excellent, il se disait « Waouh, c'est bon, j'étais trop fort !» Et donc, il se faisait quoi? Il était en train de se relâcher. Et donc, forcément, vu qu'il se relâchait, derrière, il se prenait une claque. Et donc, après qu'il ait fait un mauvais match, eh bien, il enchaînait mauvais match, bon match, avec du « Je suis trop fort, je suis trop nul, je suis trop fort, je suis trop nul. » Et donc déjà, la première chose, c'est important de ne pas s'identifier à son résultat. Ce n'est pas parce que tu as gagné un match que tu es trop fort. Ce n'est pas parce que tu as perdu un match que tu es trop nul. Non, dans les deux cas, tu peux rester dans cette identité, dans cet état d'être d'excellence et te dire « Je me concentre sur ma mission, mon but, c'est d'être le meilleur possible et j'ai gagné. » Eh bien du coup, c'est top, mais j'en veux encore plus. Et j'ai perdu, eh bien c'est ok aussi et j'en veux encore plus. Du coup, l'exercice qu'on avait fait ensemble, et ça peut être aussi valable si vous êtes entrepreneur, c'est qu'on avait regardé les fois où il faisait un excellent match et du coup, il s'exagérait. Et on allait voir tous les inconvénients pour lui de faire des bons matchs. Et quand il faisait des mauvais matchs, je lui demandais de noter une dizaine de bénéfices d'avoir fait des bons matchs jusqu'à temps qu'il gagne en régularité, qu'il se dise qu'il soit ni accro à faire des bons matchs, ni en ressentiment de faire des mauvais matchs pour se concentrer sur le joueur à long terme qu'il était en train de devenir. Et là, petit bonus aussi avec une athlète que j'avais vue en live du coup qui était aux Jeux Olympiques et je me rappelle, elles font première au tour de poule et quand je la vois, on se connecte comme ça ensemble et du coup, il y avait les demi-finales qui étaient juste derrière. Et je la vois, elle fait « Ouais, là, j'ai un peu de mal à m'en mettre dedans, mais je suis trop contente, les gens nous disent qu'on a été trop forte, qu'on a des chances et tout, etc. » Et du coup, je fais « Ouais, donc l'entourage réagit comment ?» Bah, l'entourage, il est hyper euphorique, c'est un truc de dingue là, ce que vous avez fait et tout. Et toi, bah moi, je suis trop contente et tout. Et donc, ce qu'on a fait pour… parce que là, j'ai vu qu'elle s'exagérait, j'ai vu dans ses yeux qu'elle n'était pas présente. Eh bien, je lui ai dit « Ok, quels sont les inconvénients pour toi d'avoir fait première au tour de poule ?» Donc elle dit « Bah là, personne ne m'a posé cette question, on est quand même sur des Jeux Olympiques, c'était à Tokyo donc en 2021. » Et je lui dis aussi « Quels sont maintenant les bénéfices pour tes adversaires d'avoir fait deuxième ou troisième au tour de poule ?»« Ah bah elles sont au taquet, elles s'en mettent dedans et tout. » Jusqu'à temps que je vois ses yeux vraiment switcher, qu'elles reviennent présentes et du coup qu'il y ait cette notion de bonne pression qui est là. Donc la bonne pression, c'est entre la zone de certitude, je sais que ça va le faire, et la zone d'incertitude. Un être humain est au sommet de sa performance quand il est au milieu de la zone de certitude, d'incertitude. Je sais que ça va le faire, je ne sais pas que ça va le faire. Donc, c'est important de garder ça si vous voulez gagner en régularité. Eh bien, c'est important d'aller chercher cette zone à chaque compétition. Quand vous avez un match où vous dites « ça va être facile », posez-vous la question de dire « ok, c'est quoi? Quels sont les inconvénients d'avoir ce match facile ?» Quand vous avez un match que vous percevez qui va être difficile, allez voir tous les bénéfices pour vous que ce match va être difficile jusqu'à vous recentrer sur le long terme, sur votre mission, sur votre état d'être et d'être un être humain de plus en plus fort dans ce qu'il fait pour pouvoir gagner en régularité. On arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, pensez au petit pouce qui fait plaisir, au petit commentaire pour partager votre point de vue, vous abonner également en cliquant sur la cloche et aussi, bah, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, je vous invite à réserver un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe où vous aurez déjà les premiers steps pour aller plus loin. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.